Et salut à tous, c'est Angel038 et voici la rediffusion du live de dimanche dernier, donc reporté à mardi bien sûr, sur le Grand Prix de Suzuka. Alors tout d'abord, vous allez avoir la première partie aujourd'hui sur les qualifications qui se sont dépassées, qui sont déroulées, vous le verrez, assez normalement, dirons-nous. Je vous souhaite un bon visionnage et on prend place au direct. We're here at Suzuka for qualifying today ahead of the Japanese Grand Prix. I'm expecting a strong showing here today from the Red Bull team. They really love this classic track. And we don't need to push too hard in this session. We should have the pace to qualify easily. Alors, on est reparti. On va changer les pneus. Ouais Cyril, mais bon, comme je vais faire chauffer les pneus... Salut Théo, oui je suis sur PC. Ouais. Qu'est-ce que fout Ricciardo dans le bac à gravier?
Et hop, une petite équerre, impeccable. Bonne nuit à toi, The Phenom. Ah non, Rachid Senna, pardon. Ah, excuse-moi, The Phenom, pas de soucis. Salut à toi Ricardo TV. Bah écoute, merci pour t'être abonné et puis content que ça te plaise. Bienvenue sur le live en tout cas. Thank you.
for sector 3 are good, but 1 and 2 are well off the pace. Vous inquiétez pas, ça va finir par passer. Salut Hellboy Gaming, bienvenue sur le live. Alors Jonathan, bah écoute, le retour de la coop, ça sera je pense pour la semaine prochaine. Parce que cette semaine, Cédric est en vacances dans ma région, donc pour tourner une coop, ça va être compliqué. J'ai bien cru que ça allait être mort pour moi. Hein. Thank you.
Je sais pas ce que ça a donné là. Bon, ça va. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais j'ai vraiment galéré avec les pneus durs et puis quelques lags dans le jeu, donc c'était assez compliqué. Heureusement, là, ce dernier tour de l'espoir, hein, me permet de prendre la 11e place et passer en Q2 avec les options, parce qu'avec les durs, c'était pas possible. Hamilton, qui s'est pas qualifié, il a eu un souci avec sa voiture, visiblement, il a même pas de chrono. Et les autres éliminés, c'est Carlos Sainz, Mary, Ericsson, Verstappen. Donc on va passer à Q2. Et cette fois-ci, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Parce que là, on a vraiment failli passer. On a vraiment failli passer à travers des qualifications. Là, c'était chaud. Hein. Ouais, c'est vrai, Dark Phoenix, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu des modes sur F1 2016, mais malheureusement, je pense que... Enfin, F1 2015, pardon, je suis déjà sur F1 2016. Mais bon, F1 2016, je pense qu'ils vont améliorer beaucoup de choses, donc... Moi j'ai des lags par moment, c'est super désagréable pour arriver à avoir une conduite vraiment précise quand on a l'image qui te saute au visage d'un coup. Surtout quand tu arrives sur un virage, c'est très désagréable. Pour l'instant, c'est le deuxième temps derrière Bottas à 8 dixièmes, hein. C'est quand même relativement loin, donc à surveiller, mais il va falloir que je rentre au stand de toute façon parce que je vais être short en essence. Et Raikkonen qui prend le meilleur temps. Qui devrait être naturellement amélioré par Rosberg. Ah ouais, Cyril, je rentre au box là.
Salut F1 Fanatique, bienvenue sur le live. Oui, Dream Sim Racing, la course est en 100%. Ouais. Non, non, ça va bien, F1 Fanatic, hein, juste je me concentre hein, sur la course, enfin sur mon pilotage, parce que c'est quand même pas évident. Après, c'est vrai qu'il est, il est un peu tard, hein, parce que 11h. Et que. Non, non, 100% Dark Phoenix. Ah non, j'ai mis 50%, j'avais mis, j'ai oublié de régler. Ah bah ça sera 50%. Ouais. Bon bah désolé les gars, je voulais la faire en 100% et puis du coup je les mets en 50. Ah, je peux encore changer hein. À la fin des qualifs on peut le passer en 100%. Ouais mais les gars, ce que je peux faire c'est que à la fin des qualifs je sors du menu et je relance en changeant la durée de la course. Et ben bonne fin de soirée Maxence. Tu penses que c'est nécessaire de ressortir Cyril?
Le Adidas Ferrari m'intéresse pas si, mais sur un G27. Le add-on, ouais, j'avais compris. Sur un G27, le add-on Ferrari. Non, jamais vu. Salut Raph. Non, bah, tu arrives pas forcément tard, hein, c'est les qualifications, on n'est pas encore à la course. Eh ouais. Et non, j'ai un Logitech G27, donc du coup ça fait que ça s'est limité, mais je l'ai déjà modé. J'ai un SteelSeries SWR CR1 comme volant par-dessus à la place de la galette d'origine du G27. Ouais, Geeks, j'ai un G27. Alors du coup, normalement, j'avais dit que je la faisais en 100% cette course. Est-ce que vous voulez que je la fasse vraiment en 100% ou est-ce qu'à ce moment-là, il faut que je retourne dans le menu principal? Ou est-ce que je la fais en 50 comme là c'est indiqué? Dites-moi dans les commentaires. Palette tourner avec le volant, ouais, effectivement. Ouais, 100%, ça risque de faire tard, ouais, effectivement, mais. Et le TS500, bah ouais, mais le problème, c'est qu'il faut avoir les sous pour l'acheter. Moi, en tout cas, Cyril, je travaille demain. Allez, je vous laisse un petit moment pendant les Q3. Salut Valentin HD. Alors, oui, il y avait une Williams à l'envers. Par rapport à ta question, on va faire une vidéo avec Cédric sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu sur F1 2016. Donc. On donnera nos impressions et notre avis sur le sujet. Vous aurez ça très rapidement. Allez, fin 2016 sort le 19 août. Comme je disais en début de live, vous pouvez déjà le précommander. Alors il est à 50 euros sur Steam, mais vous pouvez le trouver à 33 euros et quelques sur Instant Gaming, mon partenaire. Et sur mon réseau, sur mon Twitter ou mon Facebook, j'avais partagé un lien avec mon lien d'affiliation. Comme j'expliquais tout à l'heure, les liens d'affiliation servent que chaque jeu acheté avec le lien d'affiliation, un pourcentage du prix du jeu nous est reversé en crédit sur Instant Gaming. Et du coup, c'est avec ces crédits qu'on va pouvoir vous acheter et vous offrir des clés CD lors d'un event qu'on mettra en place quand on arrivera aux 2500 abonnés. Donc tout don, toute participation n'est pas fait pour nous enrichir ou quoi que ce soit, c'est tout simplement réutiliser ensuite pour faire des giveaways. J'ai coupé, ils m'ont pas pénalisé, alors on va pas déconner non plus.
us in as soon as 15 minutes time. Eh hey Vettel, je suis aussi dans mon tour rapide. En plus, Vettel il vient me faire chier alors qu'il était dans son tour d'entrée au stand, quoi. Alors, Ricardo, pour F1 2016, en fait, je ferai. Enfin, il y aura un vote sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, fin juillet, pour choisir l'écurie dans laquelle on fera donc une coop avec Cédric dès la sortie du jeu. C'est sympa F1 Fanatic. Ouais, la voiture s'ouvre pas mal, mais bon, ça va, ça se gère. Time.
out on a flying lap, let the car behind through, he is much faster. Bon bah voilà, la qualification est terminée. J'ai plus de sauce, donc c'est pas la peine d'insister. Hein. Et la séance est donc finie. Et je partirai vraisemblablement, à moins que ça améliore derrière, mais je sais pas où sont les autres pilotes. Je partirai de la 5ème place sur la grille. Donc j'ai tenu les objectifs de l'écurie, c'est plutôt bien. Espérons juste de ne pas avoir une course sous la pluie. Et par contre les amis, je suis désolé, hein, mais on va la faire en 50% hein, parce que vu l'heure qu'il est déjà, je pense que pour beaucoup d'entre vous, soit vous avez encore école, soit et vous travaillez demain et... Alors d'ailleurs, sur YouTube, on est combien actuellement à regarder là, les gars? Parce que j'ai le nombre de viewers sur Twitch avec le Wizbot, mais j'ai rien qui me donne les viewers sur YouTube, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Ok, merci Siri. Ouais, on va la faire en 50% F1 Fanatique. Donc petite scène de réjouissance de notre ami Romain Grosjean pour cette 5ème place, hein, c'est dans les objectifs de l'écurie. Et donc la grille de départ, hein, ce sera Rosberg devant Vettel, Bottas, Raikkonen et deux Finlandais. Ensuite je partirai donc à la 5ème place avec Daniel Kiat, les deux Force India, Fernando Alonso hein, en 9ème place et Massa 10ème. Finalement la Williams à l'envers, ça n'a pas posé de problème donc...